بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans ce court vidéo, on va lire ensemble un extrait de Al-Kitab Al-Mawaqif, traduit sous le livre des Andes de l'émir Abdel Qadir. Si c'est la première fois que vous entendez ce nom, on dit souvent que l'Algérie doit son indépendance à ce grand homme, à ce héros national, l'émir Abdel Qadir Al-Jazairi, né donc en Algérie. Son autre nom est aussi Abdel Qadir Ibn Muhiddin Al-Hassani, Abdel Qadir, fils de Muhiddin Al-Hassani. Donc l'émir Abdel Qadir, c'était aussi un descendant du prophète alayhi salatu wa salam par Hassan ibn Ali al-Hassani. Al-Hassani, Hassan ibn Ali. Hassan qui était le fils de Sidna Ali ibn Sayyida Fatima, le gendre du prophète alayhi salatu wa salam, et aussi la fille du prophète alayhi salatu wa salam. Et pendant plus d'un quart de siècle, l'émir Abdel Qadir a beaucoup écrit et a aussi enseigné à ses étudiants, à ses disciples. Parce que l'émir Abdel Qadir n'était pas qu'un grand homme politique ou un leader politique, certes, mais c'était aussi un très grand homme de foi, un très grand homme connecté à Dieu, un très grand homme de la spiritualité. En d'autres mots, on dit qu'il était un très grand soufi. Il était un très grand maître soufi. Et c'est parmi les grands noms qui a beaucoup marqué l'histoire de la spiritualité islamique des derniers siècles. D'ailleurs, s'il y a une fierté pour nos frères algériens ou nos sœurs algériennes, c'est surtout de connaître qui était l'émir Abdel Qadir. Donc, durant toutes ces années où il a enseigné à ses disciples, où il a beaucoup écrit, c'est rassemblé donc Al-Kitab Al-Mawaqif, Kitab Al-Mawaqif, le livre des Altes, où on dit, on traduit aussi par écrit spirituel. Donc c'est un recueil de pensées, d'écrits, d'expériences spirituelles de l'émir Abdel Qadir. Donc il y a plusieurs extraits où il partage des allusions subtiles que recèle le Coran ou des connaissances spirituelles. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va lire ensemble simplement un extrait de l'émir Abdel Qadir, qui va comme ci. Dieu a dit à l'un de ses serviteurs, donc ici on parle de l'émir Abdel Qadir qui relate, Dieu a dit à l'un de ses serviteurs. Est-ce que Dieu a révélé quelque chose à l'émir Abdel Qadir? Quand on parle de Dieu a dit à l'un de ses serviteurs, c'est une manière indirecte qui était très utilisée par justement les maîtres du tasawuf ou les maîtres spirituels ou les gens connectés à très connectés à la foi. C'était une façon de parler. On peut penser à une certaine connexion intime qu'ils ont eu, un moment intime qu'ils ont eu avec Dieu, un moment très privé à ce moment-là. Dieu a dit à l'un de ses serviteurs, prétends-tu m'aimer? Si tel est le cas, sache que ton amour pour moi
est seulement une conséquence de mon amour pour toi. Tu aimes celui qui est, mais je t'ai aimé, moi, alors que tu n'étais pas. Il lui dit ensuite, prétends-tu que tu cherches à t'approcher de moi et à te perdre en moi? Mais je te cherche, moi, bien plus que tu me cherches. Je t'ai cherché afin que tu sois en ma présence, sans nul intermédiaire, le jour où j'ai dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu birobikum. Coran, sourate 7, verset 172. Le jour où j'ai dit « Alastu bi rabbikum » alors que tu n'étais qu'esprit, « Ruh ». Puis, tu m'as oublié et je t'ai cherché de nouveau en envoyant vers toi mes envoyés lorsque tu as eu un corps. Tout cela était amour de toi, pour toi et non pour moi. Il lui dit encore, que penses-tu que tu ferais si, alors que tu te trouvais dans un état extrême de faim, de soif et d'épuisement, je t'appelais à moi tout en t'offrant mon paradis avec ses roulis, ses palais, ses fleuves, ses fruits, ses pages, ses échansons, après t'avoir prévenu qu'auprès de moi, tu ne trouverais rien de cela. Le serviteur, Abdelkader al-Jazairi, répondit, je me réfugierai en toi, contre toi. Fin de l'extrait.